Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment modifier le mot de passe d'un élève. Donc, première des choses, une fois sur le site du centre de service, tu dois cliquer sur Mosaïque Portail ici dans le haut. Tu seras redirigé pour te connecter à Mosaïque Portail. Donc, tu entres ton adresse courriel. Puis ton mot de passe. Une fois dans Mosaïque Portail, tu cliques sur Enseignant. Une fois dans Mosaïque Portail, tu vas cliquer sur les ressources de mon organisation. Une fois dans les ressources de mon organisation, on va aller chercher la ressource qui permet de modifier les mots de passe. Donc, elle se trouve dans la section Élèves, changement de mot de passe. Donc, je vais cocher ici pour la placer sur ma page d'accueil. Donc, regardez ce que ça fait lorsqu'on a activé la ressource. Elle va maintenant se retrouver ici dans vos ressources rapides d'accès. Donc, il suffit maintenant de cliquer sur changement de mot de passe des élèves. Donc, ici, on valide votre adresse courriel. Vous cliquez sur « Enregistrer ». Vous verrez apparaître là où les écoles pour lesquelles vous avez l'autorisation de modifier des mots de passe et vous verrez également vos divers groupes. Donc, il vous suffit de sélectionner un groupe et le nom d'un élève. Ensuite, vous cliquez ici sur « Changer de mot de passe ». Et vous devez entrer le nouveau mot de passe ici. Donc ici, on vous rappelle les contraintes à respecter pour le mot de passe. Donc, il doit avoir au minimum 8 caractères et contenir au moins 3 des 4 éléments suivants. Donc, soit majuscule, minuscule, chiffre et symbole. Donc, vous entrez le nouveau mot de passe. Si vous désirez le voir s'afficher, vous cliquez ici sur l'œil. On vous affiche le mot de passe ici que vous avez entré. Vous venez confirmer le mot de passe et vous cliquez sur « Changer ». Voilà, c'était comment modifier le mot de passe d'un élève. Il est également possible de modifier le mot de passe de l'ensemble des élèves d'un groupe. Il suffit pour ce faire de sélectionner le code de cours « Groupe » ici. Et vous allez voir apparaître à droite ici « Changer le mot de passe de tous les élèves du groupe ». Vous cliquez et vous entrez le nouveau mot de passe. Et vous cliquez sur « Changer » ici. Sachez que les élèves pourront par la suite modifier leur mot de passe pour un mot de passe plus personnel via office.com.